Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve sur Hayon. Je tiens à m'excuser, vous allez me suivre et j'ai avancé toute seule, même si j'avais filmé. J'ai eu un gros souci de son et j'étais du coup dans l'incapacité de publier la vidéo, sachant que j'avais bien avancé, que je vous avais parlé plein de choses. Et je suis obligée de refilmer et du coup, bah, vous vous doutez bien, je ne peux malheureusement pas recommencer ce que j'ai fait. Donc on se retrouve comme ça et on se retrouve également sans le son d'Aïon. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas malheureusement le temps de vous laisser le son. Je pense pas que ce soit particulièrement trop grave pour Aïon. Je réglerai ce détail pour Hogwarts Legacy, vous vous en doutez bien. Je vous aurais mis, je pense, une musique de fond de toute façon. N'hésitez donc pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous publie cette vidéo le lendemain. Là, on est jeudi. Je vous la publie vendredi à 19h. Normalement, je devrais être sur le retour. Je suis partie quelque part pour rendre visite à quelqu'un. Je suis partie rendre visite à mon frère. Voilà, c'est assez compliqué. On va pas rentrer dans les détails. J'ai pas envie de toute façon. Et sinon, je vais me remettre à chialer. Et c'est clairement pas mon but. Je tiens à vous avertir. Je suis pas en grande forme. Je sais même pas par où commencer. Je sais même pas par où commencer, les potes. Oui, moi je suis comme ça, je me jette dans le vide. Je sais pas par où commencer, je vous avouerai, je suis perturbée. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment dans ma vie, je sais plus. Je sais plus, de toute façon ça se voit à ma tête, ça fait une semaine que je dors pas. Là, je me suis même pas maquillée pour la vidéo, je vous avouerai, j'avais pas la force. J'espère que ma tête ne vous fait pas peur. ouais, c'est compliqué en ce moment. C'est très compliqué. Il y a plein de choses qui se passent. Oh, ça va. Allez. C'est très bien. On aura pris des raccourcis. Il y a plein de choses qui vont pas. Il y a des bonnes nouvelles. Il y en a des moins bonnes. Et je vous avouerai que je suis assez perturbée en ce moment. Ouais. Je sais même pas par où commencer. Déjà, vous vous doutez bien, pour que cette vidéo, elle sorte un vendredi et pas un samedi, ça veut dire qu'il y a eu des trucs. Comme je vous le disais, je vais rendre visite à mon frère, qui a besoin de nous, avec ma mère. Et ouais, j'ai de gros soucis en ce moment au niveau familial, c'est comme ça. Il y a plein de choses dont vous n'êtes pas au courant que je peux pas vous dire malheureusement. Je suis partie un peu comme ça sans vous dire ce qu'on faisait. Mais je dois récupérer des cornes. Donc écoutez, on va faire ça. Je dois battre aussi ceux-là. Ils sont super forts par rapport à moi, mais là j'ai pas la force de chercher autre chose, je vous avouerai. Donc on va faire ça. J'espère que vous m'entendez assez, normalement oui. J'ai fait des tests micro avant de me lancer. Ouais, et du coup, moi, en début de semaine, j'ai joué. Ça m'a trop fait plaisir. Et au moment de regarder la vidéo, je me rends compte que mon micro, donc mon micro que j'ai là, et le micro de ma caméra ont enregistré en même temps. Du coup, enfin, on m'entendait deux fois d'affilée. Ça n'avait aucun sens. Et évidemment, je pouvais pas enlever une des pistes. C'était pas possible. Donc ça a été vraiment la cata. Pour faire très court, ça a été la catastrophe. Je baisse un peu le son pour moi parce que c'est super fort en fait. Ouais, donc déjà j'ai ça qui m'a foutu le nez dedans, clairement. Je suis fatiguée parce que bah, je pense à plein de choses en même temps. Il y a Adams qui va pas bien du tout. Pour ceux qui n'auraient pas suivi. La semaine dernière, lundi, je suis rentrée du boulot. Et en gros, il bavait beaucoup, il n'arrivait pas à ouvrir sa bouche. Donc on est allé chez le véto en urgence. On a tout de suite pensé, et c'est logique, à une réaction allergique, à une piqûre ou quelque chose comme ça. Donc, il lui a fait une piqûre de cortisone, le docteur, et d'antidouleur et d'antibio, et on est reparti.
ça allait mieux. Le lendemain, il a eu un contrôle et voyant que ça allait mieux, il lui a refait une piqûre histoire de que ça soit réglé. Et voilà. Et mercredi, on trouvait qu'il allait bien. Et jeudi, ça a recommencé. Donc, j'ai rappelé le véto pour qu'il le voie. Et on y est retourné. C'était pas le même véto. Elle nous a dit bah, qu'à tous les coups... Pourquoi on m'appelle toujours quand je filme, moi? Allô? Oui? Et faut arrêter, hein. J'en ai marre des pubs, j'ai plus la patience de leur parler gentiment. Ça me saoule. Bref, ouais, on y est retourné jeudi, et donc du coup, elle pensait que c'était juste que bah, y avait pas eu assez de cortisone ou d'antibio, que ça avait peut-être mal réagi et tout. Et du coup, elle lui a donné de la morphine parce qu'il avait mal, cortisone et antibio de nouveau. Vendredi, ça allait mieux, on avait espoir que ça aille. Et samedi, ça allait pas mieux, mais on avait contrôle, donc on y allait. Sachant que lundi, le premier véto qu'on a vu, le chef des vétos, nous avait dit que si ça recommençait, il endormirait pour voir, parce que Adams, tu peux pas le manipuler comme ça. Il est très sauvage encore, et il a du mal à faire confiance, donc en somme, il fallait l'endormir si on voulait en savoir plus, quoi. Donc du coup, on y allait samedi et là on est retombé sur le médecin, le véto qu'on avait vu en début de semaine. Et donc on lui a montré, on lui a dit voilà, là il est sous morphine, ça va pas quand même, ça continue quoi qu'il arrive. Jeudi c'était même pire que lundi, alors qu'on pensait que lundi c'était le pire. Bref, on était un peu perplexes. Donc il nous a dit écoutez, vous inquiétez pas, on le garde, je l'opère dans la journée, vous venez le récupérer à 17h. Donc, en attendant, on est parti acheter des trucs à Decathlon parce que mon chéri m'a acheté un vélo. Et on est parti faire du vélo, c'était quand dans la semaine? Je crois que c'était le vendredi soir. On est parti faire du vélo et en fait, j'étais tellement... J'ai besoin de me défouler que... en fait, il s'est avéré que j'ai pété la chaîne, bref. Donc, du coup, on est allé à Decathlon pour acheter tout ce qu'il nous fallait. Et là, je suis dans la merde. Ça va aller. On va s'en sortir. Et bref, du coup, on s'est occupé comme on a pu. On a essayé de faire tout ce qu'il fallait. J'ai fait un projet photo et tout. J'ai essayé de me garder la tête occupée parce que je suis du genre à stresser, quoi. À peine. Donc on y est allé et je vous jure quand on a vu la gueule du véto, on a tout de suite compris qu'il y avait un problème. Il savait pas par où commencer, le pauvre, et il nous a dit que voilà, il y avait une masse. Il avait vu une masse et que c'était cette masse qui donnait l'inflammation. Et c'est pour ça que ça réagissait bien à la cortisone, parce que la masse faisait une inflammation. Et donc cette masse, il n'y a que deux solutions possibles. Soit c'est une maladie auto-immune, donc ça veut dire qu'en fait, il réagit à ses propres tissus, ce qui crée les inflammations. Donc ça veut dire que ça sera quelque chose qui sera à vie, qui ne pourra pas être guéri, il aura un traitement à vie, il devra être bien suivi, etc. Et il y aura des périodes de crise, il y aura des périodes plus difficiles, ça veut dire aussi qu'il sera plus fragile et qu'on ne l'aura pas aussi longtemps qu'on voulait. Soit c'est un cancer. Il nous a dit que c'était 50-50, mais il nous a dit qu'il était désolé. On est très...
On remarque très vite les choses avec mon chéri, on est d'accord. Il avait un comportement étrange si c'était seulement une maladie auto-immune, même si, encore une fois, ça serait extrêmement difficile si c'était ça. Donc on a cherché sur internet et en fait, je pense qu'il a essayé de nous donner un peu plus de courage qu'autre chose parce qu'il faut attendre là 10 jours pour les résultats. Et en fait, ça serait plus 90% pour le cancer. Donc ça s'annonce très compliqué, à savoir que c'est sous sa langue. Donc il nous l'a bien expliqué, si c'est un cancer, si on veut enlever la masse, il faut enlever la langue, et un chat sans langue, c'est pas possible. Donc ça veut dire lui dire au revoir. Donc c'est... C'est très compliqué. Vraiment, ça me... C'est extrêmement compliqué. Bon, tu te poses ? Merci. C'est extrêmement compliqué et il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a des problématiques un peu de tous les côtés. Ça fait un moment que ça dure et là, on me rajoute Adams, donc j'ai encore moins de patience que d'habitude. Mon boulot, je vais pas vous mentir, je n'en peux plus. Ça y est, là, je suis arrivée au bout du bout. C'est ce que je vous racontais dans la dernière vidéo à Yon que vous avez pas vu du coup, que j'ai tourné cette semaine. Je vous disais que j'en avais marre, que j'avais pris une décision. Et là, vous voyez, avec la journée que j'ai passée aujourd'hui, ben, j'en suis encore plus sûre que je veux quitter cette boîte, en fait, que je veux partir. C'est plus possible autrement, en fait. C'est plus possible. Je peux pas rester dans cette boîte, c'est un enfer, c'est vraiment, il n'y a plus rien qui va, la gestion c'est pas possible, mes collègues c'est pas possible, il faut que je parte de là, je veux arrêter, j'en peux plus. Et voilà, Adams, le boulot, il y a des problèmes au niveau de la santé pour certains membres de ma famille extrêmement proches, il y a de graves soucis au niveau d'un autre membre de ma famille extrêmement proche. C'est trop pour une seule personne, quoi. C'est trop, et c'est pour ça, là, je suis fatiguée, je me rends bien compte que tout me saoule, que je suis hyper à fleur de peau, je pleure tous les jours, j'ai super mal au ventre. Vraiment, c'est super compliqué, quoi. C'est super compliqué en ce moment, et j'ai juste envie... de me dire, c'est bon, Léa, la boutique, elle fonctionne, tu peux te permettre de partir, de vivre de tes réseaux et compagnie. Je pense que je pourrais. Je pense que bientôt, je pourrais. Enfin, je pourrais déjà, ça serait pas facile. Clairement, ce serait pas facile, mais je pense que je pourrais le faire. Mais de toute façon, je vais me donner la chance de le faire. Je pense que c'est important de se laisser la chance, mais ça fait peur. Et c'est normal. C'est normal que ça fasse peur, c'est de grandes décisions qui vont pas impacter que moi au final, parce que ben, je suis en couple, on a une maison, la maison je l'ai avec ma mère, si j'arrive plus à payer le crédit, ça va impacter ma mère, ça va impacter mon chéri, je me mets une pression de dingue parce que j'ai l'impression que tout le monde compte absolument sur moi, alors que je sais qu'ils peuvent être derrière moi, que jamais ils me jugeront si je veux partir, mais... C'est si compliqué, les amis, c'est si compliqué. Tout le temps, tout est compliqué, tout me semble. Ouais. Donc vraiment, si vous êtes dans une même situation où c'est la merde, on est ensemble. Vraiment, on est ensemble. Venez, on s'écrit en MP, on se donne des nouvelles tous les jours. Je vous jure, j'en peux plus. C'est un scandale. Ma vie est un scandale en ce moment. Et je sais que... Je me suis sentie très apaisée en début de semaine et j'aurais dû me douter que c'était parce qu'on allait me forcer à prendre une décision que j'avais déjà prise. Hein. Mais là, pour vous expliquer, en fait, je savais que je voulais partir de la boîte. Et je me disais, là, ça se passait bien là ces dernières semaines. Enfin, ces dernières semaines, n'importe quoi. Là, on est quoi ? On est jeudi Mardi, mercredi, ça s'est super bien passé. Je me disais, oh, ça va être cool, en fait, ça va. Je peux attendre encore un peu si je veux, c'est bon. Je suis pas obligée de parler tout de suite de mon potentiel départ.
Et aujourd'hui, mais... Genre, non, non, Léa, en fait, il faut que tu partes. Tu vois, l'univers, genre, il me dit, non, mais là, c'est bon, en fait. Là, il faut partir. C'est pas parce que ça s'améliore maintenant qu'il faut remettre à plus tard tes décisions, quoi. Ouais. C'est pas facile. Mais c'est ma vie. Et quelle heure ? Ça fait 15 minutes. Allez, on va encore un peu jouer ensemble. Je sais pas combien de temps je vais jouer. Je me donne une heure max parce que je suis un peu sous l'eau un peu partout, mais ça va le faire. Comme d'hab, on va s'en sortir. Là, aujourd'hui, j'ai été un petit peu beaucoup à fleur de peau, donc du coup, j'ai pas énormément avancé dans tout ce que je voulais. Mais c'est ok, c'est normal. C'est pas grave. On rattrapera. La semaine prochaine, je travaille que lundi, mardi. Donc ça aussi, ça va me faire du bien. Je vais pouvoir me reposer un peu. Je vous jure. C'est compliqué, hein. C'est compliqué d'être une adulte. En fait. Ouf, j'ai des ganglions. Ouais, c'est compliqué. Qu'on se dit toujours quand on est gamin, ah mais quand je serai adulte, je ferai ci, je ferai ça. T'as raison. T'as raison, ouais. Parce qu'il y aura d'autres problèmes, ma fille, en fait. Je regarde un peu tout ce que j'ai là. Bon, et vous? Comment ça va? Parce que je monopolise la conversation, hein. Du coup, vous pouvez pas en placer une. J'adore faire des blagues comme ça, c'est trop drôle. Tout ce que je vous dis là, ça reste entre nous, hein. Vous le répétez pas. Ouais, je me tâte aussi à reprendre peut-être un petit peu les lives. Je sais pas. Ça vous plairait qu'on fasse un petit truc en live jeux vidéo, peut-être sur Aion ou sur Hogwarts Legacy, à voir. Moi, je suis pour si ça vous plaît, hein, franchement. On peut essayer de s'en faire un, se donner un rendez-vous, fixer une date. Je les enchaîne. Hein. J'espère gagner en niveau là. Ouais, je suis un peu à la bourre partout. Du coup, ce qui m'a mis le nez dedans là, c'est mes problèmes de son. Parce que du coup, j'avais filmé une vidéo à Yon, j'avais filmé une vidéo tirage. Et j'ai rien pu faire du coup. Enfin, j'ai rien pu utiliser. Et là, ce soir, moi, je devais monter d'autres trucs, quoi. Et je devais monter une... Enfin, filmer une vidéo Hogwarts Legacy. Et du coup, je me retrouve à avoir des journées interminables. Alors que j'étais trop en avance, je faisais trop ma... je faisais trop ma fière en début de semaine, genre... Ouais, je suis trop en avance, je suis trop bien, vous allez voir, ça va trop bien se passer. T'as raison. En fait, faut trop que je ferme ma gueule. Faut que je ferme ma bouche. Je vous jure, il faut que je ferme ma bouche. Quand ça se passe bien comme ça, il faut que j'apprenne à me dire « Léa, tais-toi, ça va te porter la poisse. » Mais apparemment, je ne retiens pas la leçon. Voilà. Joie et bonheur. Bon, Tantuf, on va aller tuer notre dernier petit truc, là. Quand je me dis que je reviens de 3 semaines de vacances de mon taf, je me dis, mais comment je vais faire? Quelle horreur! Oh, par contre, la semaine prochaine, on a le concert de Hans Zimmer. Ça, j'espère que ça va bien se passer.
Je vous avouerai que si on doit dire au revoir à Adams juste avant, ça risque de pas avoir la même saveur. Ça, c'est sûr. Attendez, j'ai fait de la merde au niveau de mes compétences, je crois. Faut que je les remette. J'ai cliqué un peu trop partout. Ouais, j'ai un problème. Je crois que c'est K, les compétences. Ouais, c'est ça. Active. Pilonnage ! C'est sympa, ça, comme nom. Rage d'ombre. Dis donc, mais c'est qu'on a plein de choses qu'on n'a pas... On s'est pas renseigné, ma petite dame. Ça, voilà, elle est partie. Ça, je l'ai. Ah non, elle est là, mercredi. Voilà, celle qui me manquait aussi, là. Mais voilà, à force de cliquer n'importe où aussi, comme une bouffonne. Rupture perçante, je l'ai. Ça, je l'ai. Ok, voilà. On est un peu plus près, là, quand même. C'est bien, non? Si je peux faire rapport immédiat, dites-moi que je peux faire rapport immédiat sur celui-là. Non, je ne peux pas, évidemment. Évidemment, il faut que je retourne là-bas. Du coup, on va finir l'autre mission qu'on nous a donnée. Voilà, ça va mieux. J'adore les potions comme ça. On peut pas avoir des potions comme ça dans la vraie vie. Non, sans déconner, ça serait super bien. Genre là, j'en bois une petite. Hop là, prête pour le live, Léa, elle va tout défoncer. Elle va faire les 10 commandes qui lui manquent. Enfin, en attente, là, c'est parfait. Non? T'es pas d'accord? Ah bon. Franchement, ça... Ah non! Mais c'est pas vrai, mais vous voulez pas me laisser un peu tranquille? Voilà, je te pilonne la gueule. Tu m'as énervé. Du coup, je vais tester toutes mes nouvelles attaques sur toi. Parce que tu t'aurais mieux fait de la fermer. Celui-là, ça donne quoi? Ah ouais. Ah, ça me plaît bien. Ah, c'est pas mal, hein? Ah, c'est bien. Moi, j'aime bien l'idée. Excusez-moi, je suis trop petite. Pardon, je voudrais venir me battre avec vous, mais je ne sais pas par où passer. Pouvez-vous m'indiquer l'entrée pour que je vienne vous flinguer la gueule, s'il vous plaît, monsieur? Vous me paraissez bien aimable. Excusez-moi, il faut que je monte. Ah, bon, attendez. J'allais voir votre pote déjà, il me semble un peu plus cohérent. Alors, monsieur, un petit pilonnage. Voilà, histoire de... Hein? Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Voilà. Alors, moi j'aimerais bien aller le tuer lui, mais je ne sais pas par où passer. Excusez-moi. Ah, mais voilà, mais monsieur, vous vous mettez telle réponse dans un château, enfin. Enfin, monsieur. Il faut vous laisser vous approcher un peu. Mais enfin. Comment on vous flingue sinon? Laissez-vous vous flinguer quand même. À moindre des choses. Non, vous trouvez pas? Ah bon, allez. Bon, il me reste quoi à tuer? 2 de glace. 4 de quartz! Oh là 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 là! Allez! Pas que ça à faire, moi. Moi, je l'adore, cette attaque. Elle est très bien. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est ma préférée, je crois. Parfait! Allez, au suivant, s'il vous plaît. Qui se porte volontaire pour se faire... strapper la gueule? Qui? Quelqu'un? Je crois que j'ai vu quelqu'un là-bas. Qui lève la main. Il a envie de se faire strapper un peu. Oh, regardez, en plus, il nous a mis des petites marches et tout, si c'est pas mignon. Allez, viens ici, mon petit. Tu es mon dernier de glace. Après, il faut que je trouve les quartz. Et je crois que c'est le plus difficile à trouver de mémoire, cela. Mais... Ah non, j'ai refait. J'ai enlevé une attaque encore parce que j'ai cliqué comme une cinglée. Parce que je suis trop pressée de leur péter la gueule. Voilà. Bon, on est obligé de remettre. C'est laquelle? C'est...
C'est celle-ci. Pourquoi ? Non, c'est pas celle-ci. Pourquoi elle veut jamais rester avec nous ? Non ? Attends, je descends de là. Ça me plaît bien, ça. Voilà, et je crois que c'est celle-ci qui veut jamais rester avec nous. Hop ! Un petit coup de potion, tout va bien. Voilà. Bon, maintenant, on va ouvrir les yeux. Ah ! On en a un ici. C'est parfait. Allez. Ah, il y en a même un là. Bon alors, enfin, qu'est-ce qu'on disait? Il y en a même un autre ici. Mais voilà, on les a tous, ceux qui nous manquent. Ah non, il nous en manque encore un après. J'ai rien dit. Je m'enflamme peut-être un peu. J'avouerai. On notera qu'ils donnent pas beaucoup de points, hein, d'XP. Hein. Ils sont un peu rados. Hein. Coucou, c'est moi. Qui veut se battre? Non, toi, je t'aime pas. Ou toi, je t'aime pas. Viens ici. Viens te battre en ton copain. Surtout, tu préviens pas ton pote que je te casse la gueule. Hein. On reste entre nous. Hein. Ça reste dans la famille. Non, ne regarde pas. Tu n'as pas envie de venir ici. Vraiment, vraiment, ça ne va pas te plaire ce qui se passe. Voilà, parfait. Ensuite, il m'en faut deux autres. J'en ai un ici. Un petit coup potion, tout va bien. Hop. Ça va, vous? Ah, votre pote, elle pète les plombs. Oui, oui, oui. Ah, ben voilà, je les ai les deux, là. Parfait. Allez. Viens te faire pilonner un peu, toi. Ça va te faire du bien. Je clique tout doucement, du coup, maintenant, de peur de faire décaler, encore une fois, mes compétences. J'ai jamais eu ce problème. Mais si, voilà, enfin, Léa, il fallait appuyer sur... fallait cadenasser tout ça pour avoir la paix. Allez, le petit dernier, et on se tire d'ici. Ça vous va? Parce que moi, ça me va. Voilà, j'ai pris une petite potion, tout va bien, comme ça on est servi. Bon, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Racontez-moi un petit peu. Qu'avez-vous décidé pour ce week-end, mes amis? Allez, donc je peux faire un rapport immédiat déjà pour lui. Ah, niveau 43, mais c'est beau ça. Mais par contre, il faut que j'aille... Qu'est-ce que c'est que ça? L'intendant des missions. Ben non, j'ai pas envie. Voilà, on retourne à la maison. Ah, j'aurais pu faire téléportation, je suis bête. Attendez, j'envoie un petit message à ma petite maman qui me demande. Toujours avec beaucoup d'humour, je raconte à ma mère, elle me demande à quelle heure je finis, et vu que j'ai posé ma demi-journée pour aller voir mon frère, je lui dis 11h30, sauf si elles sont comme aujourd'hui, où je risque de me faire virer, du coup. Toujours beaucoup d'humour dans la famille, toujours. Je vous jure, les gars, j'en veux plus. Oh là là. N'hésitez pas, du coup, si vous voulez m'aider à parler de moi autour de vous. Vraiment, je sais pas ce que c'est. Ouais, n'hésitez pas. Le moindre personne en plus, ça peut trop m'aider. N'hésitez pas à être là sur les lives. Qu'est-ce que c'est? Salutations, Léa et Kay. Pour entrer dans une instance de groupe, vous avez besoin d'alliés, mais vous ne pouvez pas les attendre éternellement. Je vais donc vous expliquer la demande d'accès des... Cliquez sur la demande d'accès pour demander l'accès à distance. D'accord.
D'accord, je sais pas du tout ce que ça a fait, mais c'est pas grave. Oui. Je m'en fous, je vais pas y aller. Il est où l'autre qui m'a donné la mission, là? Oui, bon, ça va. Vous avez pas la musique, c'est bien dommage. Faut vraiment que je me trouve un nouveau MMO. Bon, il est où, lui? J'en ai marre de le chercher, là. Merci, nom de Dieu. Tu pouvais pas faire des signes? Sans déconner? Je suis arrivée juste à côté de toi en plus, hein. Voilà, niveau 44, c'est parfait. Je devais faire jusqu'à combien? Je me souviens plus, je crois que c'était 45. Mince, c'est pas ça. Non plus. Bon, bref. J peut-être. C'était J, c'est ça. Mission. 49. Oh là 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 là! Mais je veux pas faire des quêtes répétables, ça me gonfle! Même pour jouer, je suis pas de bonne humeur, même pour jouer. Je sais que ça va en saouler plus d'un, mais vraiment, je vais pas faire semblant en fait. Je sais pas faire semblant. Du moins, je fais semblant toute ma journée. Toute ma journée, je fais semblant d'aller bien, d'être de bonne humeur, d'être de bonne composition. J'en ai marre. J'en ai marre, d'accord ? Ça, c'est une quête répétable aussi. Attendez. C'est parce que j'ai fait ça? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est que des quêtes répétables. Et vas-y, on se ferait pas un petit one-shot, on va là. Vas-y, je suis joueuse. On va voir un peu ce qu'il y a à découvrir là-bas. Ça se trouve, il n'y aura rien. C'est où? Ah, punaise, oui, d'accord, je vois où c'est. Et ça, c'est grave la merde. Non, je peux pas y aller. J'ai pas assez de... J'ai pas un assez bon niveau. Qu'est-ce que c'est, ça? Fidèle caméra complice. Qu'est-ce qu'il y a, là? Lac gelé. Ouais, je m'en fiche. On va regarder un peu les missions qu'on a. Ouais, ok. Bon ben écoutez les gars, on est dans la merde parce que va falloir faire des trucs répétables, c'est trop chiant. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Crotte, bite. Ça va parler à quelqu'un ça. Ça je vends, ça je vends. Non, je t'ai pas parlé. Je vends. Je vends. Ah non, je vends pas, je vends pas. Pardon. J'ai dit que je vendais, mais j'ai changé d'avis. Oh là là. Allez, vendre. Voilà. Ah! On va encore changer. J'aurais peut-être meilleure mine. Ah! J'ai meilleure mine, ça me va. Je suis de meilleure humeur. C'est mieux. Ça change pas vraiment, mais c'est mieux. Allez. Ouais, c'est ça, ouais. Voyons. Ça fait un peu princesse et tout, j'aime bien. Allez, adjugé vendu. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vous jure, les gars, j'en peux plus. Et quelle heure? Bon, les amis, on va pas batailler plus longtemps. Je suis pas d'humeur, clairement. C'est bon, ça m'a saoulé. Je suis gavée de la journée. Je suis désolée, la vidéo n'aura pas été très longue, j'ai fait que me plaindre, mais vous le savez, ces vidéos, c'est vraiment mon exutoire.
ça m'a fait du bien de jouer, mais ouais. Là, ce qui me saoule un peu, c'est que je vais être obligée de faire des quêtes répétables pour monter jusqu'au niveau 49 pour changer de monde en fait. Ça me saoule un peu. Bref, les amis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Dites-moi ce que vous faites ce week-end et si ça vous tente qu'on fasse ça en live un jour, qu'on monte jusqu'au niveau 49 et voilà, hein. Ça me donnera peut-être plus de courage si vous êtes avec moi, je sais pas. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me retrouver sur les autres réseaux et pour le reste, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !